Et salut tout le monde! Enfin, je vous dis salut alors que chez moi il est genre presque 18h, tout va bien. J'ai pas trop vlogué aujourd'hui parce que concrètement on est parti de Busan, c'était un peu le speed, enfin voilà, le temps d'avoir un bus, etc. Après, on a passé une bonne partie de la journée dans le bus, du coup, là on est arrivé vers 17h30 dans la guest. Du coup, je vous fais une petite visite. Donc là, vous avez le petit couloir pour mettre les chaussures, comme d'habitude. Ensuite, la salle de bain. Donc avec toilette, robinet, la douche. Et là, du coup, notre petite chambre. Alors, avec un grand lit pour moi. Un petit lit pour Léonore. La télé, une petite table pour se maquiller ou faire les montages vidéo. La bouilloire, très importante toujours. Et voilà, là on a une petite fenêtre, mais bon, il n'y a rien de très intéressant dehors. Donc l'hôtel est situé à Insadong, c'est le quartier un peu ancien de Séoul. C'est là où vous allez trouver toutes les petites bibelots à acheter pour apporter aux amis, à la famille, etc. Pourquoi j'ai choisi cet endroit? Parce que je suis avec la petite, que Hongdae, j'ai envie de dire, c'est plus pour ceux qui vont sortir la nuit, s'éclater, etc. et pouvoir rentrer tranquillement après. Voilà, j'allais dire c'est plus pour les jeunes, mais je suis encore jeune. Je suis pas vieille encore. Mais voilà, bon, du coup, je trouvais que c'était vachement sympa. Puis l'hôtel avait l'air bien. Enfin, moi, là, ça me suffit. Alors oui, c'est pas ce qu'on avait à Busan, mais ça suffit amplement. Sachant qu'on va passer les journées dehors, donc voilà. Et c'était pas hyper cher pour les 3 semaines. Du coup, rapidement, ça va être un petit vlog aujourd'hui, je pense. Parce que il est tard. Là, on va prendre une douche et aller manger parce qu'on n'a pas mangé de la journée en fait. On a déjeuné ce matin et après voilà. Du coup, on est parti, on va explorer un peu le quartier, voir où ça nous mène et essayer de trouver un petit resto. Stay.
là. Bon les amis, c'est sur cette petite balade au centre de Insadong que la journée s'achève. Je suis franchement crevée, je pense que ça va être un tout petit vlog parce que en tous les cas on n'a pas fait grand chose. En plus je suis debout depuis 7h du matin. Oui, pour une fois j'ai réussi à le faire, en même temps j'avais pas trop le choix. Donc voilà, je suis vraiment vraiment très fatiguée malgré le fait d'avoir dormi un petit peu dans le bus. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Annyeong.